Normal de rendre hommage à des grands créateurs de notre histoire de l'art. Mohamed Qassimi s'est illustré dans les années 70, 80, 90 jusqu'au début des années 2000. Sa disparition a laissé quand même un manque, je pense, dans la scène artistique marocaine. Et il est le devoir aussi des professionnels de s'interroger, de revenir quelques années après sur le destin, sur les créations de ces grands personnages et de donner, avec le recul parfois nécessaire, donner à expliquer les différents travaux, les différentes périodes d'un artiste. Moi, personnellement, je consacre depuis plusieurs années une partie de mon travail à Mohamed Qassimi. Donc je suis content de pouvoir montrer ses œuvres dans une nouvelle ville, Marrakech, dans ce lieu, le Comptoir des Mines, qui se veut aussi être un espace d'art contemporain et art émergent, et de montrer que Qassimi a toute sa place même face à des artistes d'aujourd'hui, que dans le dessin, que dans le mouvement, que dans la création d'objets, mais il avait déjà entamé la révolution du début du 21e siècle. Donc Qassimi n'est plus là, mais son œuvre traverse le temps, et chaque fois nous avons une nouvelle manière de la lire, et donc à nous aussi de la transmettre au public. Personnellement, c'est un honneur pour moi en fait, de travailler sur cette exposition de Mohamed Qassimi parce que cet artiste est quand même une des figures majeures de l'art au Maroc, donc qui est admirée par tous et qui est aussi une référence et une source d'inspiration pour beaucoup de ses contemporains. Donc l'idée à travers cette exposition est de donner à voir l'œuvre de Qassimi depuis 1964 jusqu'à 2002. Donc, afin de voir un peu toutes les évolutions graphiques en fait, dans son travail et aussi les travaux liés à l'évolution de ces thématiques qui sont principalement inspirées par les droits de l'homme au Maroc et dans le monde. La scénographie pour cette exposition, c'est une scénographie qui alterne des moments d'intensité, des moments aussi d'intimité à travers des différents réglages lumière, différentes ambiances lumineuses. Dans des nouveaux espaces qui sont dédiés à l'accrochage de peinture, des espaces généreux. Mohamed Qassimi a très tôt, dès le début des années 60, considéré que les œuvres sur papier, c'était aussi des œuvres d'art à part entière, contrairement à beaucoup d'artistes de la scène de l'époque. Et donc, son travail sur papier est parfois inconnu ou très peu visible, et aujourd'hui nous arrivons à réunir des travaux de différentes époques et montrer que c'était une constante chez lui de dessiner et de faire des œuvres à part entière sur le papier avant d'entamer des œuvres sur des toiles, sur d'autres formats plus conventionnels, etc. Mais en fait c'est comme s'il y avait deux Mohamed Qassimi. Il y avait un Mohamed Qassimi assez réservé, assez inconnu, donc qui travaillait justement dans son atelier sur des œuvres préparatoires, mais aussi à faire ses travaux aboutis, et un autre Mohamed Qassimi quand il allait en exposition, qui se dévoilait avec des toiles monumentales, avec des grands travaux sur bois, avec des sculptures, et donc le public n'a pas connaissance de ça. Et donc c'est notre devoir de raconter cet autre Mohamed Qassimi qu'on a très peu vu au fond. Thank you.
Nous avons exposé 74 œuvres de différents formats, mais principalement des œuvres sur papier. On retrouve du dessin, de la pure recherche en fait, qui est préparatoire par rapport à des œuvres beaucoup plus importantes et imposantes, mais également de la peinture, de l'acrylique, des œuvres sur goudron et des œuvres sur différents autres médiums. Et je pense que Mohamed Qassimi, c'est l'artiste qui s'est le plus mis en danger dans ses recherches plastiques dès le début des années 70. Donc au milieu des années 60, il était très influencé par la gestuelle abstraite de Jilali Gharbawi, d'Ahmed Sharqawi, de Nicolas Destal et beaucoup d'artistes. Mais dans les années 70, il développe sa nouvelle voie. Et donc il crée une figuration, c'est un infigurable. Il est entre l'abstraction et la figuration. Et il développe son langage en fonction d'une actualité qu'il voit ou des problématiques liées à la société et en même temps aux interrogations inhérentes à sa personne. Et Mohamed Qassimi était un militant. On a eu tout à l'heure la visite de Driss Yazami qui nous a honorés. Il a combattu, milité pour la cause palestinienne. Il s'est rendu à Jérusalem où il a vécu dans un camp de réfugiés. Il a fait une période de sa vie qu'il leur a consacrée. Donc des œuvres très graphiques. Il a été interpellé par la crise en Irak en 91. Et donc il y a toute une série et un poème, Sherazade et la mémoire de Nour. Et puis il a milité tout au long de sa carrière, pour chaque fois, pour l'humain. Il s'est rendu en Afrique. Donc il a inventé ce dialogue sud-sud en art. Et même s'il était reconnu et consacré à l'international, aller au Mali, aller au Sénégal, créer avec des artistes de ces régions-là était très important. Et c'est pour ça aussi qu'il est aujourd'hui un artiste mondial. C'est parce que les traces qu'il a laissées dans différents endroits et l'image qu'il a laissée incitent toujours à de nouvelles personnes, de nouveaux publics à le découvrir.